Vacances, Wayne? On se revoit pour Noël? Oui. Oui. Bonnes vacances, Aaron. Cette tronche. Au revoir. Bon, bah, profite bien. Oh, bah, ça va le faire. Ouais, je crois. Bon, je vous ai pas pris depuis un bon bout de temps. Je sais même pas c'est quand la dernière fois. Je crois que c'est quand c'est Aaron et Owen qui sont partis avec leur papa. J'ai rejoint mes parents tout à l'heure pour aller voir un cadeau de Noël pour ma soeur et mon beau-frère. Et là, je suis avec ma copine Pauline. On est parti sur Cora, à Dreux, pour ceux qui connaissent, faire 2-3 magasins. Mais apparemment, ma soeur y était. Elle m'a dit c'est blindé. Donc, on est ravis. J'ai acheté un enfant, regardez. On est à Action avec Pauline, dans le nouveau Action. Bon, j'ai acheté des conneries, des bonbons. Mes bonbons préférés de la vie, c'est eux. Et j'ai acheté ça. Ah oui, j'ai acheté ça pour Maëlle. Mais tu vas se casser. Un petit ballon flout-flout, là. Voilà, mes petites emplettes. J'ai trop faim, en fait. Bon, je suis chez mes parents. Mon père me dit de goûter ça. Il me dit que c'est pas du pain d'épices, mais je suis sûre que si. Lulu, hello. Il est où l'autre? Je sais pas. J'en ai d'autres. Mais faut être sûr parce qu'il y a mélangé. Non, c'est pas, pas bon. Non, je veux pas. Mais les filles, les 3,58€ le petit ballotin de célébration. J'ai dit, ah, oui. J'ai plus d'aide. Et bien, moi, tu sais où j'ai acheté ceux-là? Non. Le petit ballotin rond comme ça. J'avais 300 grammes. Tu fais quoi, Lucie? J'ai plus, tu me fais mentir. Où ça? Action. Bon, je suis repartie de chez mes parents, je viens d'arriver chez moi. Je suis en train de ranger mes affaires un peu là. Je ne vais pas tarder à aller me coucher. Demain, je dois me lever en plus. Enfin, je dois me lever. Je ne peux pas me lever super tôt non plus, mais je dois aller chercher mon drive à 10h. Oui, oui, un dimanche matin. C'est ouvert la matinée, donc j'ai fait un drive pour 10h. Et ensuite, je vous emmène avec moi chez la coiffeuse. Voilà, de toute façon, je vous emmène encore avec moi demain. Comme ça, vous verrez tout ça. Tout ça, tout ça. Bref, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Hein, parce que de toute façon, je ne vais pas faire grand-chose. Mis à part aller me coucher, me changer, me laver et aller me coucher. Donc, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog. Je suis un petit peu pressée. Je vais vous poser là. Sympa. Bon, je suis déjà prête. En fait, je viens d'aller chercher mon drive. Et je suis partie chercher des croquettes pour Omi. Là j'ai rendez-vous chez la coiffeuse à 11h, donc il faut que je me speed. Je vais vous emmener avec moi de toute façon. Là j'ai fait un drive pour pas grand chose, juste pour faire du poulet curry pour ce soir et un tiramisu. Je vais faire ça ce soir. Et puis voilà, bref, je vous emmène avec moi, je suis pas coiffée hein. De toute façon je suis chez la coiffeuse, mes cheveux sont dégueulasses, c'est pour ça qu'ils sont attachés. La pauvre. Mais de toute façon, on m'a dit qu'il fallait pas que je me nettoie les cheveux. Donc, enfin, en général, on ne doit pas se nettoyer les cheveux avant d'aller chez le coiffeur. Bref, je vous emmène avec moi toute la journée. Et puis, bah, c'est parti. Bon, je suis actuellement chez la coiffeuse, chez Divine. Je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez la retrouver. Elle est sur Abondant dans le 28. Franchement, regardez. Je suis pas trop belle, là. Au meilleur de ma... Au meilleur du look. Voilà. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Elle est super gentille, super adorable, franchement, c'est un amour. Donc si vous voulez la retrouver, si vous êtes pas loin dans le 28, près d'Abondant, voilà, dans le 28, près d'Abondant, comme je viens de vous le dire, je vous mets tout en barre d'infos sur mon Instagram, comme ça vous pouvez la retrouver facilement. Franchement, elle est super gentille, n'hésitez pas à la contacter si vous cherchez quelqu'un pour vos coiffures, voilà. Bon, elle m'a posé un truc sur la tête et je suis en train de manger en même temps une petite poké. Ouais, trop bonne. Voilà, coucou.
Bon, je rentre de chez la coiffeuse, franchement, Ludivine, c'est une pépite. J'aime trop. Bon, vous allez peut-être pas très bien voir parce que la luminosité elle est pas terrible. Bon, regardez pas ma tête, hein, parce que j'ai une sale tête, je suis pas maquillée. Mais alors, par contre, je suis trop contente, mais vraiment trop contente du résultat. C'est une pépite. Franchement, si vous êtes du 28, pas loin d'Annette, et que vous avez besoin de quelqu'un, foncez. Hein. Mais pour le coup, vraiment, je vous mets un petit avant après, juste ici, là. Juste ici, comme ça, vous pouvez vous rendre un petit peu plus compte. Mais j'aime trop. Puis mes cheveux sont tout doux. Là, on a fait des wavy, si je dis pas de bêtises. Des petites bouclettes. Bon, ça va pas tenir, hein, parce que moi, mes cheveux ils sont raides de base. Donc, je suis pas sûre que ça tienne, mais ça fait super joli. Je suis trop, trop contente. Trop, trop, trop contente. Je me répète. Bon, là, je suis à la maison. J'ai rendez-vous après à 18h pour mes ongles. Donc, c'est pareil, je vais vous emmener avec moi. Et ce soir, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Voilà, je pense que peut-être que vous le verrez plus tard. Bon, bref, on s'en fout. Là, je vais essayer de faire mon montage, m'avancer au maximum. Et si je veux faire des tiramisu pour le dessert ce soir, le problème, c'est qu'il faut que ça dure 4 heures au frigo. Je viens de me rendre compte de ça maintenant. Donc, il va falloir que je les fasse tout de suite parce que sinon, ça ne va pas rester 4 heures au frigo. Donc, je vais essayer de faire ça tout de suite. Bon, et bah écoutez, j'ai fini mes tiramisu, ça ressemble à du dégueulis. Sais pas si c'est bon, on verra bien. En tout cas, la crème avait l'air d'être bonne. Je verrai bien tout à l'heure quand je les mangerai. Ça va aller au frigo maintenant. Et voilà, on verra bien. Non mais les gars, je vous ai même pas repris depuis je sais pas combien de temps. J'ai fait mes ongles. Je sais pas si vous allez voir, la luminosité elle est pourrie. Tu peux laisser, hein. Tu peux laisser le son. Et j'ai fait à manger. On a fait... du poulet au curry coco avec du riz. Voilà, vous pouvez voir. Ça a l'air dégueulasse comme ça. Tiens, tu vomis. Bon, bah, comme d'hab, je suis en train de monter le vlog et là, je me rends compte que je n'ai pas clôturé le vlog. Mon poulet curry au coco était très très bon. Malgré l'aspect, il était très très bon. Et voilà, bon, on a fini la petite soirée, puis après bah, je suis partie me coucher. Et puis voilà, donc je vous ai combiné, comme vous avez vu, 2 jours dans ce vlog-là. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Je n'avais pas eu le temps de faire le montage le jour d'avant, donc je vous ai combiné ça en deux. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de contenu, donc d'un côté, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour vous et à tout de suite pour moi parce que là on est demain pour vous. À demain!